Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, j'avais envie de vous faire un peu avec vous le début, le B.A.-BA du crochet, c'est-à-dire qu'est-ce que la maille chaînette, la maille serrée, la demi-bride, la bride et la double bride. Oui, on va voir tout ça en même temps dans le même cours. Alors à chaque maille, je vais changer de couleur pour que vous voyez mieux. Donc on va commencer la maille chaînette. Je fais une boucle, c'est-à-dire que je prends mon doigt, je tourne autour, je passe mon crochet dans la chaînette, dans la boucle, je vais chercher le fil et je le ressors. J'attrape le fil pour le maintenir et on va passer à la maille chaînette. Donc je tiens la première boucle que je viens de faire, je vais chercher mon fil et je vais passer dedans. C'est pas la peine de serrer parce que sinon après c'est difficile de retrouver la maille. Une maille chaînette, je vais en faire 10. Donc j'attrape, je passe dans la boucle qui est sur mon crochet. Je vais chercher mon fil, je passe dans la boucle. 3, 4, je vais chercher mon fil, je passe dans la maille qui est sur mon crochet. 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Je vérifie. Pour vérifier et compter les mailles, on compte le nombre de V qu'il y a. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour tourner au bout de votre travail, vous allez faire une maille supplémentaire. Donc là, je marque la maille, je fais ma maille supplémentaire et je peux commencer à travailler. Donc là, je vais garder cette même couleur parce que sinon ça va être compliqué. Je vais aller piquer dans la maille que j'ai gardée sous mon ongle. Je vais piquer dedans. On va faire ce qu'on appelle la maille serrée. Je vais chercher mon fil, je ressors, j'ai deux mailles sur mon crochet. Je passe dedans. Je viens dans la maille qui suit. Donc là, mon fil sort de la maille là, verte, il est jaune. Je vais piquer dans le V qui est à côté. Je vais chercher mon fil, je le ressors, je reprends un fil, je le passe à l'intérieur. Et comme ça, ainsi de suite. Là où je sors ma maille, je prends le V qui est juste après. Donc là, dans le bleu. Encore dans le bleu. Toujours dans le bleu. Donc là, c'est vraiment la maille vraiment la plus simple que vous puissiez faire. Je pique. Dans ma maille chaînette, je ressors, j'ai deux mailles, je prends mon fil, je passe dedans. Je passe à la maille suivante. Je vais chercher mon fil et je passe dedans. Donc là, pour savoir combien de mailles j'ai fait, je compte les petits V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me faut
la dernière. Donc là, je viens piquer dans ma maille orange. Je vais chercher le fil. Et je crochète. Là, je vais faire ce qu'on appelle une maille en l'air, qui n'est qu'autre que la maille serrée, la maille chaînette du début, d'accord? Pour que vous puissiez bien voir la différence de maille, je vais prendre deux couleurs différentes. Donc là, je vais prendre et je vais faire une maille en l'air. Et je tourne mon travail. Maintenant, on va venir faire une demi-bride. Donc la demi-bride, là, je vais faire une maille supplémentaire pour donner de l'aisance à mon travail. En fait, je fais deux mailles en l'air. Quand j'arrive à la fin, je fais deux mailles en l'air. Je fais un jeté, j'enroule mon fil pelote autour de mon crochet et je vais venir piquer là à l'intérieur de ma maille qui est juste ici là, vous voyez, ça fait un petit trou, je viens piquer dedans, je vais chercher mon fil, j'ai trois mailles sur mon crochet, je reprends mon fil pelote et je passe au travers des trois. Un jeté, cette fois je vais venir à l'intérieur de ma maille orange, je vais chercher le fil, je ressors, je reprends le fil, je passe à l'intérieur des trois, un jeté et je pique dans la maille suivante, je reprends mon fil, je passe à l'intérieur des trois mailles qui sont sur mon crochet. Un jeté, ça me fait deux mailles, je passe dedans, je vais chercher mon fil, trois mailles sur mon crochet, je reprends mon fil, je passe dedans. Un jeté, je pique dans la maille, non, je n'ai pas oublié de piquer au bon endroit. Bon, c'est énervant le fait que je tape dedans, je suis désolée. Donc un jeté, je pique dans la maille. 3 mailles sur le crochet, je crochète les trois en même temps et donc la dernière je viens piquer dans le bout de ma maille, je ressors et je fais mes trois mailles. Ici je vais venir faire deux mailles, non, enfin si, mais pas avec cette couleur là. Voilà. Donc là, hop, je tourne. Non, je tourne pas. Comment embrouiller? Je tourne, non, oui, si, peut-être, je sais pas. Donc là, je viens reprendre mon coton de couleur. Ça va commencer à se compliquer. C'est comme si on allait faire du jacquard, en fait. Donc là, je prends et je monte deux mailles chaînettes, deux mailles en l'air, et je tourne. Donc là, je viens de monter mes deux mailles en l'air. On va faire la bride. Alors, là, vous allez bien voir justement là où il faut piquer. À chaque... Vous voyez là, ça vous nous fait une maille chaîne, une petite chaînette là, là en rose. À chaque petit trou que l'on voit, c'est là où il va falloir qu'on vienne piquer. Donc j'ai fait deux mailles en l'air. On va faire la bride. Donc, comme la demi-bride, on commence pareil. Un jeté. Je viens piquer donc dans le premier petit trou que je vois.
je vais chercher mon fil, je ressors. Comme la demi-bride, mes trois mailles sur mon crochet. Sauf que là, au lieu de crocheter les trois d'un seul coup, je vais les crocheter deux par deux. Et à chaque fois, j'irai rechercher mon fil. Donc, les deux premières mailles, les deux suivantes. D'accord? Allez, on recommence. Un jeté, maille suivante. Donc là, vous voyez, ça fait un petit trou. Je pique dedans. Je vais chercher mon fil. J'ai trois mailles. Je vais reprendre du fil. Je passe dans les deux premières mailles. Je reprends du fil. Je passe dans les deux dernières. Un jeté, maille suivante. Deux premières mailles, les deux suivantes. Un jeté, et je pique dans la maille suivante, je ressors. Deux mailles, deux mailles. Un jeté, deux premières, deux dernières. Un jeté, donc là, on va faire les deux dernières, un jeté, et je pique dans le trou, je vais chercher mon fil, je crochète les deux premières mailles qui se présentent, je vais chercher mon fil, je crochète les deux qui suivent. Un jeté, et donc là, je viens piquer dans ma dernière maille, je vais chercher mon fil, les deux premières, les deux suivantes. Voilà, on enlève ça. Je vais continuer avec la laine rose. Donc là, je vais monter trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Alors pourquoi je monte des mailles en l'air? C'est tout simplement parce que si je ne le fais pas, que je tourne mon travail tout de suite et que je commence à faire ma bride, elle va me déformer mon travail. Donc là, en fait, je lui donne de l'aisance, tout simplement. Donc trois mailles en l'air, comme on va faire une grande bride, puisqu'on va faire la double bride. Donc, trois mailles en l'air, je tourne mon travail. La bride, on faisait un jeté. Et bien là, on va en faire deux. Un jeté, deux jetés. Je tourne deux fois autour de mon crochet. Et pareil, à chaque fois qu'il y a un V, c'est une maille. Donc je viens piquer dedans, chercher mon fil, je ressors, là j'ai quatre mailles sur mon crochet. Et bien pareil que la bride, je crochète deux par deux. Une, deux, je pique dans la maille. Chercher mon fil, je ressors 4 mailles sur le crochet. Il en reste 3. Il en reste 2. Il en reste 1. Un jeté, deux jetés. Je pique dans la maille, je vais chercher mon fil. Je ressors 4 mailles sur le crochet. Je reprends mon fil. Je passe les deux premières. Je reprends mon fil, les deux suivantes, je reprends mon fil, les deux dernières. Un jeté, deux jetés.
Je pique dans la maille, chercher le fil, je ressors 4 mailles sur le crochet. Je reprends le fil, les deux premières mailles. Je reprends le fil, les deux suivantes. Je prends le fil, les deux dernières. 1, 2, jeté. Je pique. 4 mailles. Je prends le fil. Deux premières, deux suivantes, deux dernières. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il m'en manque une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dernière, hop, c'est celle-là. 1, 2 et 3. Je passe dans ma boucle et je serre. Et mon travail est terminé. Alors après, je vous explique pas, hein, à changer de couleur comme ça, faut rentrer les fils, c'est toute une histoire. Mais bon, ici, vous allez voir les trois, enfin à chaque fois, les points que l'on a fait. Donc ici, tout en bas, c'est la maille chaînette. Ça fait ce petit mouvement de vague. En dessous, on a le V qui est visible. Il est sur le dessus. On voit bien le petit V. Vous voyez la maille. Le V là, c'est les mailles serrées. Au-dessus, cette fois, le V, il va être dans l'autre sens. C'est-à-dire que au lieu d'être ouverture vers le haut, mais par ici, hein, le haut là, il va être vers le haut, mais là, au lieu d'être comme ça, il va être comme ça, hop, comme ça. Donc ici, on a la demi-bride. La maille en couleur ici, c'est la bride, et donc en rose, la double bride. Vous voyez la différence? La maille chaînette, la maille serrée, la demi-bride, la bride et la double bride. Voilà. Donc, en exactement 20 minutes, vous avez quand même appris à faire 1, 2, 3, 4, 5 points. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La base du crochet est faite autour de ces points. En grande partie. Donc voilà, sur des petites choses comme ça. Sur le petit nœud. Je le trouve trop jopinou. Ça va être facile parce que c'est rapide. Bon là, c'était pour vous montrer. Mais quelques points assemblés, ça va super rapide. Dites-moi si ça vous a aidé, si on continue dans le crochet, mais alors vraiment dans le crochet de base, parce que moi je peux pas faire du grand crochet. Il y a quelques petites réalisations qui peuvent être faites, qui vont. Je verrai si ça ne me demande pas trop d'efforts au niveau de mes mains, tout simplement. Regardez comme il est trop beau. J'adore. Il est où l'autre? Hey, il s'est fait la malle. Oui, là. Pour mettre sur les petites créations. Et ben voilà, ce sera
le titre de mon prochain, de ma prochaine PL, Nœud papillon. Bon, c'était ça qu'on a fait aujourd'hui, hein. C'est des nœuds papillons. Allez, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si je continue ou si j'arrête. Et puis, je vais vous chercher d'autres petites choses. Voilà. De temps en temps, il y aura un petit peu de crochet. C'est utile, ça fait des embellissements sympas, vite fait à faire. Passe-partout. Et au moins, vous pouvez dire, c'est moi qui l'ai fait. Bah oui, c'est vrai, quoi. Ça fait toujours plaisir, puis au moins, c'est quelque chose de personnel. C'est pas le chose que tout le monde achète chez au même endroit. Allez, je vous fais des bisous. Bye.